votre société? Je suis Benjamin Viau, l'un des cofondateurs de Benelu. On édite des applications pour les écoles primaires. En effet, notre ONT Benelu School est aujourd'hui disponible dans les à peu près 800 écoles du Val d'Oise. Ça s'est fait concomitamment avec le déploiement du TNE. Donc, comme tout le monde, on a appris un peu sur le tas à aller à ce type d'échelle. Et on a pu notamment voir les effets bénéfiques du TNE. Alors certes, sur le matériel, ça nous a permis quand même d'adresser des écoles qui historiquement n'avaient pas de matériel ou qui recevaient peu d'investissements. Ça a permis de se poser aussi les bonnes questions pour les qui concernent les usages par les élèves, qui est quelque chose auquel on tient beaucoup. D'amener le bon niveau de connectivité dans la classe, d'amener, si on amène des tablettes, on doit amener du Wi-Fi. Et puis évidemment, le troisième pilier de tout ça, la formation. Le TNE a quand même permis d'amener, de mes 15 ans là dans le secteur, je crois pour la première fois, concomitamment, les trois piliers, c'est-à-dire le matériel, la formation et les ressources. Donc nous, on arrive avec une ressource, mais qui bénéficie justement d'un matériel et d'une bonne formation. Et je crois que l'ENT des écoles du Val d'Oise, il fonctionne bien aujourd'hui grâce à ça. Oui, alors l'ENT pour la parentalité, la façon dont on le vit chez Benelu, c'est que c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire qu'avant tout, nous, on revendique de faire une plateforme pour les élèves qui va s'utiliser en classe, animée par l'enseignant et surtout vraiment construite par les élèves. Et il est vrai que, par coïncidence, on a aussi des comptes pour les parents. Et donc, l'année dernière, on a quand même pris les choses à bras-le-corps. On a refait toute une section du sol au plafond pour les parents, qu'on a baptisé le coin des parents, et qui, force est de constater, fonctionne très très bien en termes d'usage, qui permet justement aux parents d'avoir cette espèce d'outil de vie scolaire qui était quand même aussi attendu dans l'ENT, au-delà de la plateforme pédagogique pour les élèves. Donc ça, c'est tout neuf, et on voit que ça marche. Alors, l'outil a évolué à mesure que les besoins ont changé, et effectivement, les TNE ont fait changer les besoins. Si je prends un exemple vraiment très concret, c'est les usages mobiles par les élèves. C'est-à-dire que nous, ce qu'on observait jusqu'à il y a peut-être, on va dire avant le confinement, c'est que les usages mobiles étaient principalement portés par les adultes, en premier lieu par les parents. On parle d'enfants donc, qui sont à l'école élémentaire. Et on a vu l'ordinateur familial disparaître du foyer. Et ça a été un grand questionnement. Et couplé à ça, l'arrivée massive de matériel dans les écoles, qui la plupart du temps étaient des tablettes, donc avec un écran suffisamment grand, mais qui se manipule avec les doigts et non avec la souris et un clavier. Ça nous a fait changer beaucoup de choses chez Benelu. On conçoit maintenant avant tout pour le tactile, en pensant à ces élèves qui, à la maison, n'ont qu'un téléphone pour se connecter et qui, en classe, maintenant, principalement, vont utiliser la tablette. Donc ça a été un apport, on va dire, sur la conception des outils Benelu et des nouveautés qui sont maintenant vraiment pensées avant tout pour le tactile et augmentées pour l'ordinateur de bureau, alors qu'avant, on travaillait dans l'autre sens. On pensait pour l'ordinateur de bureau et on adaptait pour le tactile. C'est un héritage, oui, de l'élan TNE. Merci. Merci François.